Retour dans le bassin annécien ce mois-ci pour Éclat de Lyre qui installe ses caméras à Groisy, au collège du Parmelan, où 606 élèves sont scolarisés. Bonjour. Bonjour, bienvenue au collège du Parmelan. Ici, il y a de nombreuses activités extrascolaires culturelles. Voilà, il y en a quelques-unes, donc les élèves peuvent participer à une chorale entre midi et deux, organisée par la professeure de musique. Par ailleurs, il y a un journal du collège, avec des petits journalistes en culotte courte. Et puis, de mon côté, avec une quinzaine d'élèves, on a organisé un club BD. On partage ensemble des lectures de bande dessinée, et on mange des gâteaux, et voilà. Un club BD que nous allons rencontrer aujourd'hui, à l'occasion de cet épisode spécial bande dessinée, durant lequel Fanny et Laurine vont nous présenter la saga Pile ou Face, tandis que le binôme Émir et Alban proposera la série Solo. Je m'appelle Fanny, je suis en 5e 3 et je suis au collège du Parmelan. Je m'appelle Laurine, je suis en 5e 2 et j'étudie au collège du Parmelan. Bonjour, je me nomme Sandrine Tissot. J'enseigne la physique-chimie dans l'établissement collège du Parmelan qui se trouve à Groisy. Et je m'occupe également depuis cette année, le club BD que nous avons établi tous ensemble avec les élèves, une quinzaine d'élèves à peu près. Je vais vous parler de Pile ou Face. C'est l'histoire de deux orphelins qui sont jumeaux, ont été adoptés par un père, mais qui va les abandonner. Pour survivre, ils doivent faire partie d'un gang qui s'appelle le gang du crochet noir. Et suite à un cambriolage qui tourne mal, ils se font arrêter par la police. Et en échange d'informations sur le gang, ils vont partir très loin, à la Nouvelle-Orléans. Plein d'aventures, de péripéties diverses vont leur arriver. Il y a tout le temps des rebondissements. Alors, j'ai trouvé justement ceci un peu complexe. Dans le sens où si nous ne sommes pas un lecteur très attentif, on peut se perdre dans toutes ces informations. Mais comme la scénariste a réalisé vraiment un scénario très bien, très fin et très bien abouti, du coup on s'y retrouve finalement. Je l'ai découvert au club BD parce que ma meilleure amie l'avait déjà lu et puis elle me disait qu'il était vraiment bien, donc j'ai voulu lire pour voir et j'ai adoré tout de suite. L'histoire en réalité c'est une véritable chasse au trésor. Les enfants sont tout le temps en train de découvrir des choses nouvelles, on se demande ce qu'ils vont trouver au final. Et globalement, à la fin, enfin, c'est un one-shot cette bande dessinée, mais c'est vrai que globalement, il y a une suite normalement qui doit arriver. Et à la fin de ce premier one-shot, il y a quand même un beau trésor qu'ils vont découvrir. Et ça, je pense que c'est ce qui leur a plu. Moi, j'ai bien aimé ce livre parce qu'il y a du suspense. On se demande ce qui va se passer, que va devenir le gang. Est-ce qu'ils vont retrouver les enfants et s'ils vont retrouver leur père à la fin? C'est vraiment pas le genre de BD vers laquelle les enfants se dirigeraient, parce que c'est un pavé quand même. La bande dessinée fait 200 pages. Et pour eux, je pense que c'est bien aussi de découvrir ce type de... C'est pas Luca ou voilà, Sol, c'est-à-dire c'est vraiment un gros pavé. Il y a de la lecture, de la vraie lecture, avec des phrases qui sont bien construites grammaticalement, etc. Et puis effectivement, il y a les dessins qui sont très réalistes, l'ambiance assez fascinante des marins, voilà, l'évasion à travers la mer. Je pense que c'est un bon intérêt pour ça, en ce sens-là. C'est facile à lire, on dirait pas, mais en fait c'est très facile parce que c'est tellement attachant qu'on n'a plus envie de s'arrêter et on veut continuer. Au début, je pensais qu'il était imposant, mais quand on lit, ça va très vite et on rentre tout de suite dans l'histoire. La grande morale, à mon avis, c'est la nécessité de s'entourer des autres, poursuivre son chemin, l'importance aussi de la fratrie et l'amitié, l'amour. Des fois, on ressentait de la peur, des fois de la tristesse. Des fois, on était content parce qu'on découvrait des choses et c'était attachant. En fait, quand on lit, on s'attache aux personnages parce qu'ils sont gentils et ils sont très réalistes. L'objectif en fait du club BD, c'était de leur faire découvrir des choses qui les fassent rêver. Et là, effectivement, c'est le cas. Moi, je pense que les petits comme les grands, ils pouvaient tous aimer parce que c'est une histoire
très attachante et tout le monde peut aimer. L'histoire, elle m'a beaucoup plu. C'est une de mes préférées dans tous les livres. Tous les ingrédients sont réunis dans Pile ou Face pour en faire une superbe épopée d'aventure. Avec un duo de choc, des péripéties trépidantes, un dessin énergique, une intrigue détaillée et une narration rythmée, cette bande dessinée saura régaler les petits et grands rêveurs. La conquête de l'Ouest dans un 19e siècle en plein essor économique s'entremêle aux pirates, gangs et courses au trésor avec de nombreux rebondissements. On se laisse vite emporter par les personnages et par leur folle odyssée. Née à Asheville, Hope Larson, scénariste de Pile ou Face, est une auteure de bande dessinée issue de la School of the Arts Institute de Chicago. Auteure de plusieurs romans graphiques et considérée comme l'une des dessinatrices américaines les plus talentueuses de la jeune génération, elle a été sélectionnée pour divers prix en bande dessinée aux États-Unis, au Canada et en Europe et a reçu deux très prestigieux Eisner Awards et un IGNAZ. Elle collabore actuellement à l'univers DC Comics avec The Batgirl. Rebecca Mook, dessinatrice de Pile ou Face, est quant à elle une illustratrice new-yorkaise freelance qui travaille entre autres pour le New York Times, le New Yorker ou encore HBO. Pile ou Face est son premier roman graphique. Bonjour, je me présente, je suis Emir Mehmedovic et je suis en 5e 3 et je viens de Groisy. Je m'appelle Alban Oparowski, je viens du collège de Parmelan et je suis en 5e 3. Aujourd'hui, je vais vous parler de Solo, tome 1 et 2. Solo, c'est un monde où il y a eu plusieurs guerres, où les animaux sont égaux aux humains. C'est un monde qui est vraiment brutal, violent, très agressif. Et on découvre alors le héros des deux bandes dessinées qui s'appelle Solo. Solo, c'est un jeune rat, très musclé, très vif, très combatif. Les animaux ont muté génétiquement, donc ils ont l'intelligence des êtres humains. Ils apprennent à combattre avec des armes à feu et ils doivent combattre pour survivre. C'est une bande dessinée qui est extrêmement facile à lire pour des adolescents. En réalité, moi au départ, j'avais pas du tout envie de leur laisser cette bande dessinée entre les mains. Alors, moi je l'avais choisie parce que quand je suis allée à la librairie, ce qui m'a attirée tout de suite, c'est le graphisme. Le graphisme, il est bien fait, on dirait. C'est comme le graphisme des dessins animés, c'est très très bien dessiné. Les dessins sont même très drôles, du coup je me suis dit, ça pour des ados, c'est vraiment ce qu'il faut. Sauf que quand je l'ai lu avant tout le monde, j'ai constaté tous les gros mots, toute cette violence gratuite, avec vraiment du sang, etc. Donc je ne voulais pas leur faire lire. Mais je leur ai donné quand même, en leur signalant bien que les gros mots et puis la violence étaient au service de quelque chose, au service du dessin, au service de l'art. Et c'est drôle parce que globalement, c'est de tout, de tous les élèves du club BD, ils ont préféré celle-ci. Moi, je trouve génial le livre. Bien à lire. Puis c'est pas comme les livres, il a l'air gros, mais il est rapide à lire. C'est peut-être un peu violent, mais c'est rigolo, c'est marrant, parce que c'est pas de la violence pure, parce que Solo, il attaque, mais il combat intelligemment, et c'est ça qui est marrant. Des fois, on peut rire, puisque Solo, c'est pas que de la violence. Il y a aussi du rire à l'intérieur, il y a de la joie et de la tristesse. Le livre, il m'a changé la manière de voir les choses, car ça explique qu'il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours continuer quoi qu'il se passe. Les thèmes qui sont abordés, effectivement, il y a la nécessité de ne jamais baisser les bras, de garder toute sa motivation, d'être fort, de lutter, et puis aussi de prendre soin des autres, de ceux qu'on aime. Et surtout d'aimer, de partager aussi. Il y a beaucoup de partage, je trouve, dans cette bande dessinée. J'ai bien aimé lire ce livre, puisqu'il y a de l'aventure, il y a de la survie, et c'est ce que j'aime bien lire. Je lis d'habitude des BD plutôt qui se basent sur les êtres humains, et pas sur les animaux, mais après, un ami me l'a conseillé, et je lui ai dit « Ok, je vais le lire », et du coup, je l'ai lu et j'ai aimé. Je pense pas qu'il y ait un intérêt pédagogique. En revanche, pour eux, c'est très distrayant et c'est très drôle. Et c'est un récit initiatique, donc de toute façon, pour les enfants, le récit initiatique, il est toujours bon. Parce qu'ils ont l'impression d'être projetés comme ça, et d'avoir toute la vie devant eux. Enfin, ça les rend forts aussi de lire. Le fait de lire ce genre de bande dessinée, ça peut les rendre forts. Moi, ce qui m'a attiré, c'est l'aventure, le graphisme et le caractère de Solo. Parce que j'ai aimé qu'il ne baissait jamais les bras. Il est musclé, il est très très fort. Je pense que c'est vraiment un livre qui mérite d'être lu. C'est génial, tout simplement.
dans un univers post-apocalyptique, au gré des mutations, des espèces animales ont développé une taille et une intelligence semblables à celles des humains. C'est dans cet univers hostile où cannibales, monstres et pirates se côtoient dans de dangereux et multiples affrontements que Solo développe son aventure zoomorphique originale. Avec des dessins dynamiques qui retranscrivent les scènes de combat comme rarement et des personnages charismatiques au service d'un scénario énergique et palpitant, Solo nous immerge dans une action omniprésente. Le chaos et la science-fiction règnent dans ce récit qui pourrait facilement être assimilé à un Mad Max animalier, voire à un Watchmen zoologique. Tandis que les annexes en fin de tome laissent présager encore un large potentiel. Le graphisme très travaillé est irréprochable et la narration parfaitement maîtrisée. Oscar Martin est un dessinateur espagnol notamment connu pour avoir, dès 1986, dessiné et scénarisé durant près de 20 ans les adaptations BD de la célèbre série de cartoons Tom et Jerry. Parallèlement, il dessine également pour le journal de Mickey en France et collabore à de nombreuses séries en Europe. C'est également son trait qu'on peut retrouver dans l'adaptation en bande dessinée du jeu vidéo Angry Birds. La meilleure façon d'affronter l'avenir, c'est de défier le présent avec plus d'espoir que de peur. Les choses arrivent à leur rythme, sans prévenir, sans se demander si c'est le bon moment. Peu importe si notre chère vie meurt et pourrit, nous ne sommes rien de plus que l'instant, juste un lien avec les circonstances qui dictent notre destin. Certains disent qu'un marin ne devrait pas se marier, que la mère est une maîtresse jalouse, qui ne tolère aucune concurrente. Mais selon moi, c'est faux. Ceux qui n'aiment rien, ceux qui n'ont aucune raison de se battre, ont au fait de sombrer dans les fonds. Ce sont ceux qui ne remontent jamais à la surface. Prouve quelque chose à aimer, mon garçon, ne les lâche pas. C'est le seul moyen de survivre.